Ok, alors attention, chute. Ok. C'est bon? Ouais. Tu as le truc? Allez, 3, 2, 1, go. Salut à tous et à tous, c'est The True Gamer, M5. Bonjour, bonjour. Et Bitel. Deux. Salut à tous. Ouais, moi je dis Bitel tout seul. Et aujourd'hui, donc on est avec Bitel tout seul, et excusez-moi pour cette blague de merde, excusez, je me rendors. Bitel tout seul, ah ouais quand même. Bitel tout seul, j'ai même pas compris la blague, bon c'est pas grave. Bitel tout seul, moi je l'appelle Bitel tout seul. D'accord. Je me rendors. Bref, donc aujourd'hui... Okay, vas-y. Aujourd'hui ce sera notre dernier épisode de Pokémon Emerald. Oh, c'est triste, oui. Donc évidemment il faut qu'on aille battre un Big Boss. On va donc essayer d'aller se faire Pierre. Et donc Bitel va nous dire où aller pour se faire Pierre. Bon, en fait il est caché très loin profond dans le site Météor. D'accord. Donc le site Météor. Très loin profond. Très loin. C'est Merouville. Voilà, donc allons à Merouville. Mais non, faut pas aller par Merouville toi. Bah vas-y, tu veux que j'aille par où? Bah tu sais, il y a l'autre là, celle avec tout avec toutes les herbes encendrées là. Ah ouais mais c'est chiant ça, Autechia, d'accord. Non mais c'est plus rapide par Autechia, il a raison. Je confirme, il a raison. Bah oui parce qu'après tu vas te faire suer à monter toutes les machins et tout là, c'est galère. Ouais c'est pareil. Bah non c'est plus. Je sais pas, je connais bien le chemin depuis Merouville mais. Mais tu vas devoir trouver le chemin, tu vas te foirer au moins 36 fois. Bah non je le connais bien le chemin, pardon. Vous remarquerez que j'essaie de ne pas utiliser l'accélérateur, c'est très sympa. Là c'est lui, là c'est M5. On verra si tu tiendras toute la vidéo sans faire un accélérateur. On va faire des paris, tiens. Bon, alors, faut qu'on vous explique un truc sur cette vidéo. Oui, il y a un petit problème. Il y a un truc très important à savoir sur cette vidéo. Bah arrête-toi et dis-le maintenant parce que voilà, on va s'arrêter là. C'est que en fait on a déjà enregistré cet épisode en juin, mais à cause d'un bug on a perdu la première partie. En gros on peut dire merci à l'ordi de trou hein. Ouais voilà, merci voilà. Windows. Hein. Et en fait ce qu'on va essayer de faire, je pense qu'on va le faire, on va faire un espèce de montage pour faire en sorte que vous ne voyez pas. Bah. Oui je pense que vous allez. Bah, on va faire en sorte que vous ne voyez pas. Arrête de bouger parce que voilà. Que vous ne voyez pas à partir de quel moment ça change de vidéo. Et le but ça va être de... si vous arriverez à trouver. Voilà, le but ça va être d'essayer de deviner. Voilà. Donc soit ça marche, on réussit bien notre montage, soit c'est de la grosse merde et on passe pour des gros crétins ridicules. Quelle mort. En gros, c'est ça. Voilà. Vas-y, PGM t'a expliqué en 30 secondes, wow. Ah. Bah excuse-moi, hein, en même temps c'était pas dur. Bon, alors. Je connais un chouïa le chemin. Un chouïa. Et comme ça lag un peu, je vais pas pouvoir laisser Bitel vraiment expliquer. Ouais, parce que Bitel lag comme une pute. Je me demandais pas pourquoi, mais il lag grave. Ouais, bah dis ça à la connect. La connect, elle est affichée très bien. Ouais. Alors. Ouais, bah moi, ma connect, non, elle marche pas très bien. Bon, alors c'est par où cette bordel? Non, je crois que c'est en bas, là. Ouais, Michel. On va essayer. Ouais, enfin... Moi je suis pas sûr du tout hein. On verra. Ouais ça a l'air d'être là. Que de faire? Ouais vas-y que de faire, c'est pas un indice ça. Ouais je pense que c'est là. Voilà tu passes là. Droite gauche. Tu passes dans le trou. Bah ramasse la Pokéball au passage hein. Non c'est bon t'inquiète pas. En fait t'es un petit peu en retard, on est rentré dans la grotte. Ouais on est déjà dans la grotte en fait. Mais en fait ça lag un peu tu vois moi c'est bizarre. Non mais c'est pas bizarre, c'est ma connexion qui est de la merde. Ah ok. Vive les connexions de merde. Ouais. N'allez pas chez Orange. On aime tous ces connexions. Tu me dis quand t'as vu un combat contre un Osperalto? Ouais ouais. C'est fait. C'est on est arrêté là, c'est ça? Ouais. On va où? Là tu continues là. Tu descends. Tu descends là un peu. Wow, tu bouges n'importe où là. De se faire alto, là je suis contre. Là t'as fui. Donc là tu descends. Voilà. Ouais. Bah ça doit être là-bas. Normalement, ouais, du coup. Je crois que c'est là-haut. Mais en fait, c'est que dans cette. C'est tellement un méli-mélo, quoi, On l'a trouvé de toute façon.
On a trouvé Pierre. Ouais, ouais, ouais. Donc on va t'attendre. Ouais, ouais, et on vous retrouvera au prochain épisode. Ciao tout le monde. Voilà. Non, donc tu nous dis quand on a fini de sauvegarder. Là, je vois, c'est bon, Sacha a sauvegardé la partie. Ok. Oui, coup de go. Là, on lance le combat. Là. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, Sacha, je suis surpris que tu aies su où me trouver. Est-ce que tu me considères juste comme un maniaque de tes proches? Non, je ne pense pas. Nous sommes battus côte à côte au centre spatial d'Algatia. Tu dois savoir mieux que quiconque de quelle façon je me bats. Ok, Sacha, si tu cherches un vrai défi, je suis ton homme. J'adore, je t'adore, mec, tu le fais trop bien. Merci. Ah, c'est moi, ça. Par contre, pendant tout le dialogue, histoire de donner un petit peu de vécu. Ouais, de vécu, je me tapais sur les genoux avec mes poings, et en fait, j'ai mal aux genoux. Ça, c'est parce qu'il est un peu con. Oui, bon, ça... Non, sans blague, j'avais pas deviné. Putain, je me suis fait une réputation de merde. Bon, alors... Tu l'as dit, mec. Il a commencé par un armure, ça nous arrange, on va lui mettre un pied brûleur dans la tête. Ouais, il va te faire un aéropic. Ouais, ouais. One shot. Yeah, baby. Ok. Ouais, bâton. Alors, Gally King, on change, on va mettre un pied Groudon. Ouais. Ouais, Groudon, c'est sympa. On peut changer. Puis il va lui mettre une éruption dans la tête, ça va. Bon, tu peux nous parler de ta chaîne, hein, pendant le... Le joli combat magnifique et épique. Voilà. Ouais, donc là je vais passer donc bientôt sur des petites vidéos Minecraft. Oh, rejoins notre serveur. Ouais. Donc déjà je vous dis, hein, il faut déjà que je récupère un PC assez potable, hein, vu que mon disque dur a surchauffé et que la réparation coûte un peu bonbon. Donc ça et le HDPVR, mais dis-moi, j'espère que t'as gagné beaucoup d'argent à Noël. Oh le bâtard, il doit avoir bien. Bah non, mais en fait, tu sais, je fais des petits boulots vite fait, du petit babysitting, voilà quoi. Oh les pauvres gosses. Pardon. Bref, on continue. Ouais, donc je bosse, voilà. C'est... Ah non, on disait, oh les pauvres gosses. Ça fait plaisir. Mais tu m'as dit que j'étais con, hein. Oh bah c'est bon, hein. Mais je déconne. On le sait tous, c'est pas... En même temps, c'est ma faute. Tu l'avoues toi-même que t'es con, en même temps. Oh, je le veux bien. Non. Voilà, j'avoue, oh, c'est bon, M5, là. J'aime bien faire le mec susceptible. Moi aussi, je suis susceptible, hein, fais gaffe. Bon, normalement, on a tué son Galley King. Normalement. Ouais. Voilà. On dit bien normalement, hein, au cas où. Ouais, j'ai eu peur, c'est un coup de lag. Ok, bon, voilà. Il nous balance Vasilis. On lui met qui pour taper son Vasilis? Oh là là, tu lui mets, comment il s'appelle, la Groupio. Ok. Vu qu'il est type proche. Ouais, je dis, on va faire un combat assez, comment dire, assez facile. Ça va être vraiment, mais... Bien. Non, mais en fait, on s'attend à ce que Pierre soit assez compliqué, en fait, mais non. Non. Il est moins fort que Red dans... Ouais, 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 Je le tape avec un type O. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça va faire normal, hein, parce qu'il est planté roche. Je sais. Mais je l'ai pas dit. Non, mais la particularité de Red, c'est qu'il a plusieurs types différents, donc on va varier l'équipe. Là, il a que du type roche, hein, t'arrives avec... C'était plus en... Bah, en même temps, il est un peu... Kaorin, je change pas. Oui, Kaorin, tu gardes. Kaorin, bah, tu peux mettre Raikaza, hein. Non, c'est très bien. Bah, non, Kyogre, il est bien, non. Une attaque haute. Ouais, ouais, tu lui fais un laser glace, il meurt, ouais. Mais... Laser glace, donc. Hein. Ouais. Moi, je suis pas trop sûr, on va voir. Je crois qu'il meurt normalement. Hein. Il devrait mourir. Non. Ouais, normalement. Bon, bah, on va le spammer laser glace. Mais oui. Je peux lui mettre un giclée d'eau, ce sera puissant. Allez. Oui, aussi, oui. Chacun sait. Bah, ça y est, du coup, ça t'évite de gaspiller un laser glace, quoi. De toute façon, point, on en est. Oui, voilà. De toute façon, on l'a pas encore vu, mais il a un métallos normalement. Ouais, il a un métallos. Métallos, tu fais une attaque feu. Métallos, voilà, tu... Voilà, Giclodo, one shot, super efficace, tout ça. Donc on te remercie pour ton laser glace qui nous a fait gaspiller un tour. Ouais. Et... Ouais, bah, si vous êtes pas content, hein. C'est quoi déjà la touche? Quitter Skype. Ouais. Ça va. Non, mais oh. Ouais, bah enfin, c'est pas ma faute là, hein. Vous dites que je suis nul. On est tous nuls. On dit qu'on est cons.
On est tous de la merde. Ouais, tu dis que les gosses que je garde sont pas contents. Les quoi? Les gosses que je garde, ils pleurent. Ah, bah oui. J'imagine. Des gosses aussi, hein. Ouais, MG. Pied brûleur, il a perdu que ça. Oh, what the ouais, bah, fuck. Mec, son métallo, c'est surabusé de cheaté. Surabusé de cheaté, c'est quoi ça? Bah tu vois, déjà, il est cheaté. Et en plus, c'est surabusé. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est bon, bête. Go lui mettre une éruption dans la tête, ça va le calmer, je pense. On peut partout son corps. Hein. Non, tu m'étonnes. Enfin, son corps sait sa tête, hein. Non, à part ses pattes. Il a une grosse tête avec des coups. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est... Etcha. J'aime bien le Etcha. Allez, mais putain. Connard. Je crois qu'elle vous dit, toi. Eh, O1. Et O1, quoi? Pas de commentaires. Bidel aussi va faire des vidéos sur Call of Duty d'abord. Ouais, voilà. C'est bien. Toi aussi, t'as voulu en faire. Toi aussi, t'en as fait, même. Bah, disons, en fait, tu vois, j'ai un peu une très bonne team. Du coup, c'est souvent des e-snipes et tout. Des quoi? Des e-snipes, tu connais pas? E-snipes. Ah, des e-snipes. Ouais, tu connais pas le flash cop noscope? Si, mais si, si. C'est le terme e-snipe que je connaissais pas. Ah. Moi, je connais le iPad, mais je connais pas le iSnipe. T'es... Eh non, mais oh, c'est pas possible. Moi, j'ai pas vu qui l'envoyait, du coup, donc on a l'air con. C'est bien. On va balancer Rayquaza à tout hasard. À tout ça hasard. Ça peut pas faire de mal, hein, c'est Rayquaza, il est juste surabusé de cheater, lui aussi. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai du tout. Non, il est pas du tout Uber, non. Non. Non, faut pas croire ça. Je lui mets quoi? Faut pas croire ce que disent les gens. On va taper à colère. En mode bon. Il va se retrouver confus, il va l'enlever 3, fera rien. Ça... Bah non, pas forcément, il lui reste combien de Pokémon là? Il en reste 2, non? Ouais, bah voilà. Enfin, ensuite, on va enfin débarrasser de lui. On est en train de casser le caractère épique de ce combat. Non, mais en fait, il est beaucoup moins épique que Red dans Or et Argent, je trouve. Ouais, surtout que t'as pas mis le son, je sens qu'il y a une putain de musique. Et Red, franchement, moi j'ai galéré contre lui. Ouais, j'ai pas mis le son, ouais. Tiens, on va mettre le son puisque c'est comme ça. J'ai galéré contre lui, hein. C'était assez flagrant, tu vois. Attends. C'est normal. Nous avons battu le dernier plus grand mec du jeu. Ouais, bon. C'est parce qu'on est dit... Enfin. Ouais, ça c'est clair, ça. On peut pas le nier, ça, mais c'est... Bien. Et où veux-tu te rendre? Dans ton cul. Même moi j'aurais pas pu deviner ça, j'imagine. Voilà. D'accord, donc en plus il sait même plus où on veut se rendre. Enfin, on lui a dit où on veut se rendre, nous on sait pas, mais notre héros sait. Ah, apparemment. Il commence à être indépendant, ça me fait peur. On va le tuer, tiens. Tu vas voir, bientôt il suffira de penser pour que le mec il bouge. Ouais. Hop. Arrgh. Dis-moi, tu vas où là? Je sais pas, je sors. Non? Tu connais l'accord de sortie? On en a pas, putain! Non! Bah, t'aurais dû en acheter! Qu'est-ce qu'on a besoin de foutre des cordes sorties à la con? Hein, oh, frère, bah, tu te calmes! T'es un boulet! Vous êtes tous des boulets! Non, mais là, on est deux contre toi, donc ta gueule. Bah, toi aussi, ouais, hein! Ouais, mais moi, moins que vous! Ouais, et les enfants, les enfants, vous vous taisez, vous arrêtez de vous disputer, mais et on va aller boire un chocolat chaud! Mais ta gueule, toi! Non! Non, 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 non! Moi, je veux 3 chocolats chauds, c'est mort, sinon j'arrête pas de bouder. Je boude, m'en fous. Ouais. Comme ça, tu diras pas au revoir. Je sais même pas pourquoi je vais là, moi. Ah ouais, bah, me dites pas au revoir! Non, mais c'est toi qui diras. Je reconnais les faux amis. Putain. Hop là, voilà, on a plus d'héros. Pouah, voilà, bien fait. Bref. Donc, alors, ouais, c'est devant la stupidité de mes deux acolytes, je vais vous dire au revoir. Ah ouais, bah tu sais ce qu'il te dit ton acolyte? Chut, j'essaie de dire au revoir. Non. Eh bah au revoir, voilà, tu vois, je l'ai dit à ta place. Peut-être faire une petite fin sympa, non? Hein? Ouais, on fait quoi? Bah, je sais pas, c'est... Vas-y, on fait la ligue. Ah ouais, attends, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est la ligue rushée. Mais enregistrée. Vous allez voir comment je rush la ligue. Vous allez voir, c'est assez épique, hein. Non, mais le mec, donc ça, je l'ai fait 20 fois,
minimum, hein. Parce que voilà. J'ai déjà fini. Vive l'accélérateur. Ah ouais, non mais franchement, assez épique, hein. Oh là là. Le mec mille, là, du mille. À la fin, t'as pas un peu mal au doigt à force d'appuyer sur le... Mais tu sais, c'est un pur geek, hein, il a les muscles. Grâce à de longues années d'entraînement de geekage, j'ai pu développer des résistances incroyables dans mes doigts. C'est le mec, j'ai développé une super activité au niveau du pouce. Non, c'est pas le pouce, là, en fait. C'est mon pouce et mon index gauche. Ah, mec, je sais qu'en, je sais pas, 2 minutes, t'en as fait 3, là. Oui, bon. C'est assez épique. Non, mais lui, c'est un ouf, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis un fou, moi. Vous connaissez pas, moi. Si on te connaît. Ah non, mais toi, t'es ouf, c'est clair. Ah, non, t'es ouf. Ah ouais, vas-y, tu veux parler comme ça. Bah vas-y, on parle comme ça tout jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je te nique ta mère. Il le fait mieux, tu vois. Eh vas-y, bah ouais, bah je le fais mieux, moi. Je suis un pro là-dessus, moi. Bon, les eunuques, vous fermez vos gueules. S'il vous plaît, hein. Bah, tu peux le faire aussi, non? Tu peux peut-être pas un peu participer. Je sais pas. Non, désolé, non. Bah, y'a aucun intérêt. Ouais, alors. J'ai battu Maître Marc. Bon, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir pendant le générique, c'est quoi? Totalement rushé, lui aussi. Non. Le générique, je vais le laisser, voilà. Voilà, histoire de faire un petit générique de cette vidéo. Donc c'était le viol de Pierre. Ah bah on peut pas dire autrement là. Et la sodomie du conseil des quatre. La ligue en général. Non, c'était pas une sodomie, ça c'était une partouze, une orgie. Là, j'avoue que c'était pas mal. Et tous les 5 en même temps, là. Donc c'était avec Beetle 2, et non Beetle 2, ouais. Qui est dans mes chaînes partenaires, que je vous invite à aller voir. Je vais quand même mettre le lien de la chaîne dans la description. Vous deux aussi, hein, vous êtes dans mes chaînes partenaires désormais, malheureusement. Pas obligé, hein. Non. Mais Non, vous deux, t'es Michi pour M5. Non, il dit vous deux parce que c'est la chaîne à nous deux. Ah ok. Mais t'es un peu con toi, hein. C'est toi qui est mignon. Bon. Non, en même temps, si on avait remarqué quand même. Hein. Mais il a réussi à nous traiter tous les deux de cons. Ouais. On le démonte. Et ouais. Connard. Attends, sa chaîne dans nos favoris, mais qui crève. Mais oui. Mais ça se la refoutre. Mais dis-moi, tu vois mon écran, non? Exactement. C'est intéressant, ça, alors. Blabla, blabla, blabla. Oh, mais c'est quoi ça déjà là, hein? Alors, pourquoi attends. Si je fais ça, et ça, et ça? Ah, c'est mieux comme ça. C'est dommage que les gens là dans la vidéo ne le voient pas. Ah non. En fait, voilà, on vient de virer Bittel de ma partenaire. Voilà, c'est bon. Ah ouais, tu peux aller vérifier si tu veux, hein. Bim. Voilà. Alors, je pense qu'on va se dire au revoir, voilà, c'était un épisode bien sympa, en tout cas on s'est bien marré. En triple, voilà. Moi personnellement je me suis bien amusé. C'est clair. C'est pareil, hein. Et on vous donne rendez-vous au prochain hors-série qu'on fera avec quelqu'un que j'espère aussi drôle. Merci à Stanflure de Beetle. Voilà. Mais t'es rien mec. Et tu sais quoi? Bah surtout, et bah va bien te faire. Mais maintenant que j'y pense, c'était quand même le dernier épisode de Pokémon. Ouais. Ah ouais, effectivement. Donc j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont suivis durant cette aventure. Hein. Oh oui, merci beaucoup. Voilà. Ah ouais. Bon merci à tous d'aller regarder cet épisode, hein, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Vous abonnez pas à la chaîne de Beetle, et voilà. Non, faut qu'on dise des noms quand même. Ouais, hein, surtout, cas où. Hein, mettre un générique à la fin. Ouais, on va mettre un petit générique. Parce que bon, la flemme là. Et le générique se termine d'ailleurs. Ouais. Blablabla, regarde. Ah non, mais s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, surtout. Voilà, ça finit. Allez, moi, c'est le mot de la fin, donc moi, je vous dis merde, parce que j'ai envie. Voilà. Donc, ciao tout le monde, moi, je vais chier. Eh ben, moi, je vous dis merde aussi. Ciao à tous.